Salut tout le monde, c'est Hyper. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brave Frontières. Aujourd'hui, mon premier tuto Brave Frontières pour comment augmenter facilement vos Brave Bursts. Alors, je sais que ce sera pas la vidéo la plus complète du jeu. Il y en a plein d'autres qui doivent être mieux. Mais moi, je vais vraiment vous dire une technique très très simple, sans complications, sans prise de tête. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il y a une unité qui permet d'augmenter le Brave Burst instantanément. C'est-à-dire qu'on la fusionne, on a directement le Brave Burst augmenté. Ce sont les Explonouilles qui sont ici. Alors, il y a différents moyens d'obtenir des Explonouilles. C'est des fois en récompense, on les a. On les a dans des événements type Frontier Hunter. On les a dans également certains Vortex. Vortex, oui. C'est dans certains Vortex où on a une vague, où on peut gagner même des dieux de métal. Donc, voilà. Concernant la deuxième technique, c'est de fusionner le même héros qu'un autre héros. Enfin, je m'explique. Si jamais on imagine, voilà, j'ai un Vargas. Son bravo, c'est niveau 1. Et j'obtiens un deuxième Vargas. Peu importe si mon premier Vargas est 5 étoiles, que le deuxième est 2 étoiles. Ce qu'il faut, enfin, on fusionne et il y a énormément de chance d'augmenter le Brave Burst. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est on s'en fout des étoiles, faut juste que ce soit le même, enfin une des évolutions de l'unité. Alors maintenant, concernant la troisième technique, une technique assez utilisée, c'est de fusionner tout simplement des Brave Burst, des unités qui ont des Brave Burst, soit offensifs, de soutien ou heal, à vos unités justement qui ont ces Brave Burst. Donc fusionner des unités qui ont le même type de Brave Burst. Moi, ce que je conseille de faire pour les Brave Burst offensifs, hein, parce que les Brave Burst soutien, tout ça, vaut mieux qu'il y ait des explonouilles, parce qu'ils sont assez durs à monter. Donc, ce que je conseille, c'est d'aller dans Mistral et d'aller au tout début dans Prairie de l'Aventurier. Et dans Prairie de l'Aventurier, tous les monstres sont. Donc, on va prendre. On va prendre les deux premiers, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On s'en fout de l'allié. Voilà, je prends au hasard, hein, c'est même pas mon ami, je m'en fous. Donc, sachant que tous les monstres ont des Brave Burst offensifs, tout ça que vous allez gagner, vous allez pouvoir les fusionner avec vos unités qui ont des Brave Burst offensifs. Et de toute façon, que ce soit des unités de début comme ça, ou alors des unités que vous avez dans les quêtes haut level, tout ça, c'est la même chose. Voilà, on en obtient assez facilement. Bon, je vais pas tout envoyer, hein. Voilà. Et également, ce que j'en sais pour monter les Bravors, c'est de faire dès le début de l'évolution. Je vous explique, parce que j'ai l'impression qu'il... Après, je suis pas sûr, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de chances de faire évoluer, enfin, de faire monter le Brave Burst quand on a un héros, genre level 60, des trucs comme ça. Donc voilà, bon, on en a eu que deux, je vais recommencer la quête, hein. Après, je vous montrerai une petite fusion. J'espère que j'aurai de la chance. Donc, ouais. Donc, dès le début, de toute façon, de 1, j'ai l'impression qu'il y a plus de chance. De 2. Non. De 2. Oui, de 2 ça coûtera moins cher, parce que ça, au début, quand on fusionne au début, ça coûte rien en argent. Quand on fusionne à la fin, ça coûte vraiment vraiment très 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 cher. Donc, c'est les deux techniques qui font comment garder ses ailes, comment monter ses chances. Ouais, donc vraiment, c'est des quêtes vraiment faciles, parce que même si vous êtes débutant, c'est vraiment des quêtes faciles. Donc voilà, c'est vraiment une bonne technique. Oui, c'est carrément du one shot. C'est du one shot. Bon, j'aimerais obtenir un peu plus d'unité que ça quand même. Voilà. Une petite cinquième peut-être pour une petite fusion.
Non, bon, je ferai une fusion avec 4, c'est pas grave. Voilà. Donc oui, c'est vraiment des quêtes. Ça vous demande 3 d'énergie. Oui, sachant que celles qui valent 3 sont plus avantageuses que celles qui vaut 5 d'énergie, je crois. Ouais. Donc après, vous allez voir vos unités. Ah, tiens, je peux invoquer une unité. Vous allez donc fusionner. Moi j'essaie d'augmenter le Bravers de mon Graden. Donc là vous voyez que toutes les unités qu'on a eues, c'est des unités qui ont des Bravers offensifs. Oui, si vous voyez le petit B up, ça veut dire Bravers up. Quand c'est en vert, alors vous voyez un point d'agression, ça veut dire que peut-être, ça peut. Quand c'est en rouge, c'est à dire que c'est obligé. Est-ce que j'aurai de la chance? Non. Bon, déjà ce niveau 6 sont Bravehurst. On va vite faire invoquer cette unité avant de se laisser. Voilà, moi je fais des invocations d'honneur, mais parce que j'aimerais bien avoir Atro, Selena. J'aimerais bien avoir les starters. Donc j'en ai déjà 4 sur 6. Après des conclusions d'évolution également, ça peut toujours servir. Est-ce que j'aurai de la chance? Non, que dalle. Que dalle. Bon, et bien voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Allez, salut tout le monde.